au secours du Père Noël. La nuit est noire comme un chat noir. Le Père Noël, sur son traîneau, distribue des millions de cadeaux. Mais voilà que le traîneau ralentit. Le Père Noël s'inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas, les reines ? Reine Blanc se retourne et il répond. C'est petit reine qui ne va pas. Il pleure parce qu'il est fatigué. Le Père Noël ordonne. Descendez tout de suite. Les reines obéissent et le traîneau se pose au pôle Nord, juste à côté d'un igloo. Un enfant esquimau en sort. Il s'appelle Asiak. Le Père Noël lui demande. Veux-tu garder petit reine jusqu'à mon retour ? Asiak est d'accord. Il détache petit reine et il propose. Prenez mon chef de traîneau pour remplacer petit reine. Le Père Noël n'a pas le temps de dire oui ou non. Asiak a déjà attelé son chien et le traîneau s'est envolé dans le ciel. Bientôt, il arrive au-dessus d'une ville. Le Père Noël saute sur le toit, il descend dans les cheminées, il remonte encore et encore. Ça y est, tout est distribué dans cette ville. Le traîneau repart, mais voilà qu'il ralentit encore. Le Père Noël demande. Qu'est-ce qui se passe, les reines ? Reine Bleue se retourne, il répond. C'est moi, j'ai attrapé un rhume au pôle Nord, j'ai affreusement mal aux oreilles. Le Père Noël n'hésite pas. Il faut te mettre au chaud. Allez, on descend. Justement, on survole un désert. Le Père Noël couvre Reine Bleue avec une couverture. Il lui donne un sirop et il lui dit « Repose-toi bien et attends-nous ». Il remonte dans son traîneau quand Reine Blanc arrive et dit « J'ai discuté avec un chameau et je te présente mon maître, Brahim ». Brahim dit « Père Noël, je vous prête mon chameau pour remplacer Reine Bleue ». Brahim attelle son chameau et le traîneau s'envole. Mais bing, il se cogne dans une cheminée. Reine Brun hurle. Ouh, je me suis tordu la patte. Les reines décident. On descend, on va te faire un bandage. Le Père Noël grogne. Oh, quelle nuit. On est de plus en plus en retard. Le traîneau se pose dans une savane et les reines bandent la patte de Reine Brun. Au moment de repartir, Reine Roux dit « J'ai rencontré un zébu et voici son maître, Cossy. » Cossy propose « Père Noël, voulez-vous mon zébu pour remplacer Reine Brun ?» Le Père Noël soupire. « Merci, merci beaucoup. Je n'ai jamais vu une nuit de Noël pareille. » Et il remonte dans le traîneau qui s'élance dans le ciel. Maintenant, le traîneau file à toute vitesse de ville en village, d'immeuble en maison. Ouf! Tous les jouets sont distribués. Alors le Père Noël raccompagne le zébu de Cosy et il reprend Reine Brun, puis le chameau de Brahim et il récupère Reine Bleue et puis le chien d'Asiak et il retrouve Petit Reine. Enfin tout le monde va se coucher. En s'endormant, le Père Noël se dit « Les enfants endormis, c'est joli, mais les enfants réveillés, qu'est-ce que ça peut être gentil ?»